Eh bien salut à tous, c'est Super Léo et on se retrouve aujourd'hui pour le 12e épisode du LP sur QVDB. Donc voilà, vous pouvez me voir, là je suis dans la salle à canne à sucre, dans la ferme à canne à sucre qui marche, mais alors, mais du tonnerre, je vous promets. C'est un truc de doigt, c'est un truc de dingue. Donc je vais vous montrer ça. Oui, attendez. Voilà, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, ouais, là il n'y en a que 6, mais regardez, on a déjà ça. Donc ça c'est vraiment top et ça fait, on va dire, je sais pas, peut-être... ça fait depuis combien de temps qu'elle est construite? Ça va faire 48 heures même pas. À peine 48 heures, je crois qu'elle est finie d'être construite. Ouais, franchement, à peine 48 heures, hein, je pense. Donc c'est vraiment top. Ok, t'as été fini hier soir ou avant hier soir? Je sais même plus. Donc en tout cas, ça fait très peu de temps qu'elle est finie. Donc voilà, c'est vraiment top, je suis vraiment content de ça. Donc voilà, donc ça rend très très bien. Donc ici, ouais, il y a mes coffres, mais alors là, eux, ils restent toujours. Alors là, ça, vous pouvez le en être sûr. C'est un truc de dingue, ces coffres. Genre, j'ai des coffres sur chaque construction que je fais. C'est un truc de dingue. Ici, il y a quelques golems. Voilà, on va voir. Normalement, il n'y a pas de fer ici. Et donc, le projet du jour... ouais, il n'y a pas de fer. Le projet du jour, bah, c'est quoi, le projet? Je sais même pas quel projet j'ai envie de faire. Oui, donc le projet c'est d'aller au Nether. Si tu bouges un peu. Voilà, le projet c'est d'aller dans le Nether. Donc, hop, on va mettre ça là. Les poppies ici, voilà. Donc, ouais, projet Nether. Pourquoi faire le Nether Hub, qui a déjà été commencé par Albert85. Qui nous avait aussi commencé ce début jusqu'à juste là de pièces, de tunnels, parce qu'il voulait s'installer là et je lui avais dit « Ah non 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 Albert, je suis désolé mais ici c'est le spawn chunk et si tu veux être tranquille pour pouvoir faire toutes les constructions que tu veux, autant aller autre part, donc en dehors du spawn chunk, parce que sinon tu pourras pas mettre de porte et tout et ça peut causer des problèmes. » Donc il était parti. Donc maintenant, on va aller dans le Nether. Et je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble maintenant. Donc, voilà, on a commencé un truc. Donc, enfin, Albert a commencé quelque chose. Moi, j'ai creusé ici, hein, parce que j'avais envie de voir. Bon, voilà, enfin bon, on s'en fout. Mais donc, voilà, à quoi ça ressemble pour le moment. J'ai juste baissé le son des mobs hostiles. Encore un peu plus, voilà. Et donc... il n'y avait pas assez de dark wood, donc je suis allé en chercher, hein. J'ai 4 stacks je crois, ouais presque 4 stacks. Donc ce qui va se passer, là sur ces côtés là, boum, ici quelqu'un, boum, ici quelqu'un, ici quelqu'un, ici quelqu'un, ici quelqu'un, ici quelqu'un. Voilà, donc il y a une entrée pour chaque personne du serveur, donc de ce côté là et de ce côté là. Et des deux autres côtés, alors un peu plus complexe, je sais pas si je fais, genre regardez, une, deux entrées. Là je fais un gros trou et là je fais une, deux entrées et pareil de ce côté là, parce que comme ça nous ferait, vu que là il y a 6 entrées je crois, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, 6 plus 6, 12, 12 plus 6, 12 plus là, ça y en aurait combien? Il y en aurait 2, 2, 4, 4, 4, 8, 12 plus 8, voilà, 20 entrées, ce qui est déjà un nombre très 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 bien. Donc si on fait 20 entrées et deux salles de chaque côté, je pense que c'est une très très bonne idée. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. Donc ça, déjà on peut dire au revoir. Voilà, regardez. Hop. Et ici aussi. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est une grosse entrée. Donc pour faire par ici. Je me suis trompé. Ah, moi je suis bon, moi. Je me suis trompé d'endroit. Ici c'était le. C'était ce qu'on allait garder. Oui, c'est ici qu'il faut enlever les blocs. Et on va laisser genre 1, 2. Là on va rien mettre. Et là on va laisser 1, 2. Voilà. Donc je vais enlever les blocs qui sont là. Là. C'est tout. Ouais, voilà, pour faire une grosse entrée comme ça. Et donc on va construire quelque chose par ici. Et on va construire quelque chose par là-bas. Et voilà. Donc on se retrouve dès que j'ai une idée un peu plus précise de la chose. Et dès que j'ai fait quelques petits aménagements. Allez, à tout à l'heure tout le monde. On trouve dans le Nether, donc comme je dis, j'ai un peu avancé, regardez, j'ai mis des bûches. Non, 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 plus sérieusement, j'ai avancé, mais de ce côté-là.
Voilà, donc j'ai voulu faire une petite, on va dire, entrée pour faire un petit, je sais pas comment dire, faire un petit centre comme ça. Et en fait, d'abord, alors je vais vous montrer là-bas déjà ce que c'est. Donc c'est pas du tout fini, hein, c'est juste, j'ai fait les emplacements, mais rien n'est fait. C'est un aiguillage. Donc, par exemple, si je veux aller dans la forteresse, voilà, forteresse, et ben je vais devoir cliquer là. Et après je prendrai un minecart qui sera là je pense. Voilà ici ou peut-être ici j'en sais rien pour l'instant je sais pas. Et en fait ça m'amènera, il y aura un chemin de fer derrière qui m'amènera vers la forteresse. Donc voilà. Donc ça c'est pour l'aiguillage. J'ai trouvé que là c'était assez sympa. Bon le toit, de toute façon les toits je déteste les faire. Et comme vous pouvez voir rien n'est fait. Parce que je sais justement pas ce que je vais faire de toute façon. Donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà, après il faudra bon, cliquer vers la destination et tout. Ouais, c'est pas très compliqué. Ici, j'ai peut-être un projet. Ben, en fait, j'ai aucune idée de ce que je vais faire là. Et là, pour le moment. Et c'est pour ça que ça m'énerve un peu. Mais bon. Mais j'ai peut-être une idée pour là. Donc l'idée ce serait de faire une genre de salle des cartes. Mais genre alors là, ce serait un truc assez immense. Une salle des cartes qui en fait nous indiquerait. Ouf. On va recevoir un truc là. Il y a un ghast. Attendez. On va se le faire. Voilà, on se le fait. Donc, comme je disais, donc une salle des cartes où il y aurait une énorme. Au bout de salle, il y aura une énorme carte de la ville. Enfin, des environs de la ville et de la ville. QVDP, comme vous avez pu voir peut-être dans le dernier épisode, je crois. Ou je sais plus. Et après il y aurait pour chaque personne une genre de plateforme de 3x3 ou enfin un genre de mur de 3x3 ou peut-être un peu moins 2x2 ou je sais pas où tout le monde pourra mettre sa carte avec ses environs donc comme ça on pourrait voilà chacun avoir la base de tout le monde et tout. Et donc ce serait ça de ce côté-là. Et de ce côté-ci en tout cas je n'ai aucune mais alors mais vraiment aucune idée de ce qu'on pourrait mettre hein, pour le moment. Et bah j'espère en avoir hein. Au cas où dites-moi dans les commentaires parce que là ça va rester vide sinon pour le moment. Voilà, donc sinon ici ici là là-bas et là-bas là sur les côtés ce sera donc des chemins avec de la glace donc pour se déplacer très vite donc ce serait pour donc je vous montrerai en vidéo mais ce sera pour aller à des destinations qui sont quand même pas très très loin donc voilà et qui sont accessibles. Donc, oui, donc ils sont pas très très loin et on n'aura pas besoin de faire de chemin de fer pour y accéder alors que. Enfin bon voilà. Il y aura pas besoin de chemin de fer donc on fera comme ça. Voilà. Donc j'espère que vous aimez le. Il y avait un petit freeze, je suis désolé. J'espère que vous aimez un peu la déco. Moi je trouve ça assez sympa. Et sinon donc pour finir pour le milieu, donc comme vous pouvez voir j'ai fait un énorme trou. Et en fait ça va être un genre de gros cylindre. Parce que ça ressemble en forme de cylindre un peu. Et on va descendre tout en bas, genre faire un énorme tube. Et en fait, dans le tube, il y aura. Comment je peux vous expliquer ça? Dans le tube, il y aura un ascenseur à Enderpearl. Parce que, bon, quelques jours ou semaines, on va faire l'end. Ou même, ça se trouve, je pense, dans quelques jours, on va faire l'end. Donc, de toute façon, on aura une farm Enderman. Il faudra bien utiliser nos Enderpearl. Et pour monter plus vite, voilà, on mettra un ascenseur à Enderpearl au milieu. Et sinon il y aura bien sûr un endroit pour monter avec des échelles et un endroit pour descendre facilement genre ici tac on pourra descendre et là chute libre et on arriverait sur une liane comme ça nous enlève les dégâts en fait ou alors peut-être un slime block à l'avenir voilà peut-être oui je commence à avoir des petites idées comme ça mais parce que les lianes ce qui est chiant c'est que ça se répand partout donc au début on mettra des lianes. Et après je vous montrerai un truc quand on sera en 1.8 je pense avec le slime block. Et n'oubliez pas de me le rappeler si quand on sera en 1.8 hein, bien sûr. Donc voilà, donc je vais avancer sur ça. Ici il faudrait que les gens viennent m'aider pour juste voilà enlever ces couches de blocs là et faire on va dire des. Genre mettre des murs sur les côtés pour bien faire des compartiments pour les minecarts. Et de ce côté là, bah, pour l'instant on fera rien, ce sera fermé. Et le jour on voudra agrandir notre hub. Pour je ne sais quelle raison, ben on s'en occupera, voilà. Donc c'est tout. Donc on se retrouve une fois que j'ai fait l'aiguillage, je pense, et que je me suis occupé un peu de tout ça. Bien sûr, la salle des cartes, ça se fera pas aujourd'hui. Ça, c'est sûr et certain. Et voilà.
Et sinon, ouais, donc on va se retrouver dès que j'aurai fait soit ça, soit le cylindre là. J'ai envie de m'attaquer au cylindre là maintenant, parce que bon, ça me saoule un peu de le faire maintenant. La redstone là, j'ai pas vraiment envie d'en faire. J'ai surtout envie de faire de la construction, donc je vais faire ça. C'est très rare ce que je dis, mais bon, voilà. On se retrouve dès que j'ai fait tout ça. Et d'ailleurs, il y a deux blocs qui manquent là, et on va s'en occuper. Allez, à tout à l'heure, tout le monde. Et bien, on se retrouve en créatif. Donc, je voulais vous montrer un peu la forme du tube. Enfin, bon, la forme, vous vous en doutez bien, ce serait un genre de cylindre dans ce genre-là. Donc voilà. Et là, c'est les matériaux que je vais utiliser. Donc, j'espère que ça va, ça plaît. Voilà. Les barrières en fer, je trouvais que c'était assez sympa. Au lieu des vitres, parce que les vitres, ça allait casser. Donc, au début, j'avais mis des vitres, ça rendait assez bien, des vitres teintées. Mais en fait, vu que ça casse, non, mauvaise idée. Donc, j'ai mis des barrières comme ça, et ça rend assez bien. Avec les côtés comme ça en noir. Je me demande si le noir ça fait pas un peu too much. Je sais pas, j'en sais rien. Je pense que ça rend bien comme ça. Je pense pas que ce soit ça claque trop et tout. Et le mieux c'est qu'en fait, regardez, voilà. Ici à l'intérieur, donc on a, bien sûr, hein, quand on n'a pas d'enderpearl, on pourra monter comme ça. Voilà, en mode truc tranquille et tout. Et vous voyez, je suis en survie, hein, et je perds aucun cœur. Hein, je suis vraiment. Voilà. Donc par exemple ici, donc là, on a une enderpearl. Ce que vous faites, c'est vous lancez l'enderpearl, papa. Voilà. Et là, regardez. Hein, c'est top. On peut même se le mettre comme ça. Regardez, on peut. Hop, ça va se faire comme ça. Voilà. Et en plus, on peut aller voilà tout droit si on veut aller par là. Si on veut aller par là, on va par là. Voilà. Là, je viens de vous spoiler un de mes projets secrets. Qui était là-bas, là. Heureusement, ça s'affiche pas. Donc voilà. Il est là-bas, là, le projet. Oh, gros projet. Donc voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Bon voilà, on voit la redstone. Après je pense qu'on peut cacher un peu. Hein. Voilà, on va pouvoir de toute façon mettre de la clé ici, je pense sur le côté. Voilà, on cachera de toute façon. Regardez, je pense qu'on va ce qu'on va faire, c'est regardez. Je vais me mettre en game mode. D'abord, je vais juste vous montrer. Voilà pour la chute. Hein, imaginons quand on veut descendre, hop, voulez-vous, on se met là, hop, tac tac, on perd aucun cœur. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer juste voilà, ce qu'on peut faire. Je pense que ce qui pourrait rendre bien, ce serait de prendre... je vais rendre au spoiler mon système, bon c'est pas grave. Donc on irait comme ceci, on irait comme ça, comme ça, comme ça. Avec ça qui serait bloqué. Moi j'essaie de trouver un arrangement. Hein. Le système, c'est sûr. C'est plutôt compliqué, mais en fait, comme ceci serait bien. Est-ce que ça rend bien comme ça? Voilà, avec au-dessus, je pense qu'on pourrait mettre. Voilà, même pour montrer que c'est la fin, pop off, on va mettre. Comme ça, voilà. Voilà, c'est. Là, je pense que ça rend vraiment très très bien. Voilà, il n'y a pas besoin de plus cacher la redstone, je veux dire, j'ai pas non plus. Voilà, je sais pas si ça va rendre bien si je mets ça comme ça avec. Alors attendez, puisque c'est complexe. Voilà. Là j'ai rien enlevé. Oulala, bon. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais en tout cas, voilà, un petit truc un peu comme ça. Voilà. Est-ce que ça pourrait rendre bien comme ça? Ouais, c'est sympa comme ça. Voilà, en plus ça fonctionne très bien. Et voilà, la redstone. N'est pas trop voyante, même si bon bah voilà ça reste quand même quelque chose de assez voyant, mais au moins ce qui est important c'est pour ici voilà que quand on soit arrivé en fait bah, bon voilà en gros l'auteur de la netherrack donc qui sera tout en haut ce sera comme ça donc, c'est pour ça qu'il faudra enfin du plafond je veux dire hein, de là où nous on a fait notre aiguillage et tout ce sera ici donc en fait faut que ça fasse pas plus qu'un truc un peu comme ça donc là je trouve que ça rend bien voilà. Donc je vais aller faire ça dans la map survie et après on se retrouve. Oups, voilà. Se retrouve, donc j'étais à la ferme à squelette, hein, comme vous pouvez voir. Et je suis venu juste pour réparer ma pioche. Ça doit être la, je sais pas combien de fois que je la répare. Hein. Et bon voilà, j'en ai besoin de toute façon. C'est quand même la meilleure pioche qui existe pour creuser. Donc voilà, donc là je vais remonter vers... à la surface et on se retrouve dans le nether une fois que le cylindre est bientôt terminé. Et bien on se retrouve au nether donc ce n'est pas encore fini mais je voulais quand même vous montrer
où j'en étais dans mes travaux. Donc comme vous pouvez voir, j'ai fait déjà en fait tout le cylindre et tout ce qu'il y a avec. Il reste plus qu'à mettre la machine, enfin l'élévateur à Ender Pearl. D'ailleurs, demandez-moi si vous voulez un tutoriel, hein, bien sûr, je le ferai. Mais bon, le système, je vous mettrai quand même le système de la personne dans la description. Enfin, c'est JL2579, donc un allemand. Donc si vous voulez un tutoriel en français, dites-moi. Mais bon, c'est pas très compliqué à comprendre, hein, et vous verrez. Au cas où, je peux en faire une devant vous, hein, mais ouais, je vais peut-être faire ça. Donc, comme vous pouvez voir, donc ça rend super bien. Et regardez, hop, on va tester quand même la chute, hein. Donc déjà, voilà, ça c'est les blocs que j'avais laissés. Je sais pas si c'est gros fail, ça fait gros fail, mais ouais. En fait, ça fonctionne très très bien. Regardez en bas, sans aucun problème, ça fonctionne. Pas de dégâts de chute et tout. Ça, en fait, ce que j'ai laissé, c'est pour me faire un repère de là où sera le deuxième, le premier palier de l'ascenseur à Ender Pearl. Et là, regardez, là on a encore donné 60, sachant que les Ender Pearl vont jusqu'à 30 blocs max. J'ai voulu faire un truc, donc là je l'ai mis à 88, je crois, si je me trompe pas, 88. J'espère que ça va fonctionner. Je vais quand même essayer de faire un test en créa pour voir si ça marche à 88. Et là après il y a un peu moins, je crois que c'est un truc genre 88, donc c'est-à-dire qu'il y aurait 28 blocs. Et là il y a un truc genre 27 blocs là ici, donc à monter. Donc on va voir, normalement, bon, ça a bien fonctionné. Et donc on va besoin d'avoir. On aura besoin de deux paliers. Donc celui qui sera au milieu et celui qui sera ici. Sinon il n'y en aura pas besoin. Et voilà. Donc on se retrouve dès que j'ai l'occasion qui se pose. Voilà. Et eh bien on se retrouve tout le monde, j'ai fini l'ascenseur enfin. Et là on va aller l'essayer, donc je vous propose de voir ça. Alors on va descendre par la chute exprès, voilà, donc on perd rien du tout, pas de dégâts, rien. Donc il y a un gaz qui a tiré, mais bon voilà. Donc on va tester, on espère que ça va fonctionner. Donc allez, première Ender Pearl. Voilà, donc là on est bien arrivé, voilà, on est bien posé sur l'ascenseur. Et maintenant deuxième Ender Pearl, et voilà, donc on arrive en haut et il y a Praco qui est là. D'ailleurs tu peux parler si tu veux, hein. Bon. Il veut pas, donc voilà. Donc j'ai dit deux ongles d'affilée. En fait je lui avais dit que je dirais aucun, donc comme vous avez pu voir j'en ai dit aucun jusqu'au moment là où j'ai parlé, où j'ai dit donc, mais sinon j'en ai dit aucun. Donc voilà à quoi ça ressemble, hein. J'ai essayé de rendre ça un peu beau, on va dire. Et voilà, ça fait pas trop énorme. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper, donc avec Praco, de ce système-là. On va essayer d'arriver avec un truc assez sympa. Voilà, voilà. Donc, on se retrouve juste après. Donc, tout à l'heure, j'arrivais vers le spawn et... Qu'est-ce que je vois en arrivant? Eh bien, voilà. Donc, je suis juste venu au spawn pour aller prendre quelques matériaux. Et hop, je vois ça, et en fait c'est CyberSDF qui nous a fait une fontaine creeper. Donc je vais vous lire ça. Les creepers sont tous fous de diamants, tellement fous que dès qu'ils en voient un, ils explosent. Cette fontaine est dédiée à leur malheur. Si vous jetez un diamant dans l'eau, vous en serez remercié. A chaque don, les creepers vous en feront un aussi. Malheureusement, ils ne savent pas la valeur des items. Voici donc la fontaine creeper. Creepler. Donc on va tout de suite essayer. Voilà, je vais dire à Cyber, je teste. Voilà. Ah, en fait, là, il teste avec un bloc de dirt pour voir si ça lui rend, je pense. Je pense que c'est fait exprès. Bon, donc j'ai amené exprès, donc, quelques diamants. On va pas tout mettre, hein. Voilà. Donc, allez, hop, on va mettre un diamant. On va voir ce qu'on a en retour. Oula, j'espère qu'on va avoir un vrai truc, hein. Alors, oh non, bouh, de la rotten flèche on a eu. Bon, bah vous savez quoi, on va la manger pour la peine, voilà. Mais bon, vu que moi j'aime les jeux d'argent, hein, et bah on rejoue. Voilà, moi j'aime les jeux d'argent, tu peux pas tester, donc allez, allez, allez,
Bouh, c'est nul. Oh là là là, mais je suis obligé de continuer en plus. Lui en plus là, il se fait de l'argent dans mon dos là. Il se fait de l'argent dans mon dos, le saligo. Putain, mais c'est vraiment, mais je suis un malchanceux. Oups. Et donc bon, on va tester un dernier hein, parce que bon, allez, on n'est pas. Allez, on va y arriver. Hop, je lance. Juste. Ouais. Oh non, mais là. Pff. Franchement. C'est de l'arnaque. Allez, vas-y, on y va, on se barre. Ouais, c'est cela, ouais. Bon, vous savez quoi, allez, hop. Moi, tant que j'ai pas le bloc de diams, parce que s'il y a un bloc de diams, je vais être remboursé de mes avec 9 diamants. Donc autant avoir le bloc de diams, ok? On va faire ça. Parce que là, c'est du foutage. Oh là là. Non, je veux le diams. Je veux le diams. Mais j'ai plus de place dans mon inventaire cyber. T'es bien gentil, mon petit cyber, mais je n'ai plus de place. Allez, 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 allez. Un bloc de diams. Il donne plus rien. Bah ça donne plus. Ah, ça va peut-être donner un diamant. Bon, allez, on va relancer, hein. Parce que je crois que ça m'a donné un diams, mais bon. On va utiliser tout notre argent dans ça, ça va être un truc de fou. Et en plus, ouais, c'est de l'arnaque, son truc. Bah, je sais même pas ce que j'ai eu. Ah si, j'ai eu du cuir encore une fois. Je sais pas. Bon. Au cas, on ira miner, hein, de toute façon. Et qu'est-ce que ça a donné, là? Un bloc de fer, super. Bon bah je vais utiliser jusqu'au bout. Hein. Oh je suis vraiment... Mais... Il n'y a que moi pour faire ça. Hein. Oh vas-y, allez bon, j'arrête de jouer. Attends. Oh bon, allez on va se laisser sur ça parce que je peux utiliser tous mes diams, genre là en rebalancer. Hein. Mais bon, allez. Donc on va se laisser sur ça, on va voir. Ce qu'on a, vu que ça a repris quand même l'épée en diams. Ouais bon la Nether Axe, bon, merci. Bon, on se retrouve donc tout à l'heure à où ça? Au Nether Hub. Eh bien, on se retrouve, les amis, après un petit moment. On a déjà fait... J'ai fait quelques petites choses ici, là, dans le Nether. Et comme vous pouvez voir aussi, donc j'ai installé un mod. Donc, j'ai installé le mod shader. Alors, vous allez me dire, il n'y a pas de shader. Bah non, parce que de toute façon, mettre les shaders sur mon PC, là, c'est pas possible, de toute façon. Mais ce qui est bien avec ce mod, je sais pas si vous pouvez voir, l'éclairage est différent. Et ça rend un peu un côté... je sais pas, j'aime bien ce côté-là, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Enfin, enfin bon, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, et donc là, je voulais vous montrer la suite. J'ai aussi mis le view bobbing, là, regardez, donc en fait, en bas, là, mon bras bouge. Et quand je marche, ça fait un petit effet, voilà, puisque je trouve ça assez sympa. Donc voilà, je le fais pas normalement, mais bon, voilà, maintenant, c'est fait. Donc là comme vous pouvez voir, donc là j'ai mis l'escalier, je sais pas si je vous avais montré, donc là c'est vers la base de cyber. Voilà pour l'aller, c'est pas très compliqué. Ici à quoi? Ici c'est quoi?
C'est vers chez Écolier, voilà, il s'est fait son petit chemin. Donc voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Voilà, voilà. Et donc ici, donc voilà, j'ai fini. Et là, j'ai fini le système ici. Donc bon, je vais vous montrer, genre par exemple, on va aller au biome Mesa, ouais, pourquoi pas. Enfin, on va pas y aller, hein, parce que bon, sinon ça va être... Je vais prendre un minecart en plus. Ça, au moins, j'aurai un minecart. Donc, alors, normalement, vous avez pas besoin de minecart. Donc voilà, il y a déjà un minecart ici. Donc là, normalement, je rentre dedans. Et en fait, quand je rentre dedans, regardez, déjà quand je change de destination, normalement, ça va. Voilà, hop, vous entendez un petit truc derrière. Voilà, donc ça change la destination normale et tout. Et donc là, regardez, là, par exemple, si je rentre dedans, là, hop, là, ça va me lancer. Et là, boum, ça va m'emmener vers le biome Mesa. Voilà, tac, tac, tac et tout. Donc on va pas y aller, hein, parce que... attendez, j'ai pas vraiment le temps, donc je vais essayer de casser le... non, je vais pas y arriver. Bon bah il sera là-bas. Écoutez, et là regardez, on va revenir pour que je vous montre comment, à quoi ça ressemble quand on revient. Donc voilà, on est dans notre minecart, on est tranquille. Donc il y a besoin que de un côté, ça qui est bien, pour l'aller et pour le retour. Et juste à faire un genre de petit aiguillage en haut, regardez, hop, comme ça, un petit truc un peu bizarre. Et là ça va nous amener en haut, et là hop, tac. Et voilà, et là on revient. Donc là le minecart a été détruit par la lave. Donc bon, on va se dire, c'est pas très très grave du fait que on a une femme à faire. Mais enfin ça allait parce que faut bien enfin regardez un minecart se remet aussi, ça c'est normal, du fait que voilà on n'est pas censé avoir comment dire, on n'est pas censé avoir remettre des minecarts tout le temps. Donc bon voilà, donc pour le système je me suis dit bien vous savez quoi, je vais attendre la 1.8 au lieu de faire un gros truc hein, vu qu'on n'a pas trop la place puisque je voulais mettre la sortie ici. Donc, on va attendre la 1.8, il y aura le minecart comment on appelle ça, le rail activateur pourra nous faire sortir des minecarts, donc on fera comme ça. Alors le système, alors c'est hyper chaotique, là-bas il y a toutes les sorties avec les 8 entrées, là 8 sorties, et voilà, et là c'est tout le système. Donc j'ai commencé sur la base un peu du système de Daniel Cotes, vous pouvez aller voir sa chaîne, hein, c'est Daniel plus loin Cotes. Et sauf lui il avait fait que pour 4, et ce qu'il y a c'est que bon ça change complètement d'en avoir 8, donc j'ai fait tout un truc après. Pas du tout compact parce que j'ai pas du tout cherché à faire compact, on a de la place. J'avais préparé encore plus de place, donc bon, je suis assez content de ce que ça rend. Donc bon voilà. Donc là je vais reboucher là après. Ici on fera un truc sympa, et ici aussi un autre truc sympa, donc dans des futurs épisodes, écoutez, voilà. Donc là ici on a un peu décoré. Et donc comme vous pouvez voir ici, alors. Voilà, j'avais fait donc l'ascenseur à Enderpearl. Et on en a aussi fait un truc là pour aller sur le toit. Donc on a creusé. Alors, vous voyez, on a utilisé le truc pour casser la bedrock là. Et on a pété mais la masse de bedrock en haut. Et donc en fait on a réussi à faire ce petit trou là comme ça. Et donc on va faire un autre ascenseur comme ça à Enderpearl au-dessus. Pour qu'on puisse aller sur le toit très facilement. Voilà, et donc là c'est toujours la chute, hein, ça n'a pas changé ici. Ici alors la déco, alors je l'ai pas fait, je me suis dit tiens les gens feront la déco, voilà pour le plafond on mettra juste le même pattern qu'ici, mais en tout cas voilà pour le parterre et tout je sais pas si on va garder ça comme ça, on verra un hein, normalement si, mais bon voilà, et peut-être que quelqu'un fera la déco, donc on va reprendre, regarder un petit angle comme ça, regardez, les gens vont faire comme ça je pense hein, je dis bien, on va peut-être encore plus monter la salle, je sais pas. Donc on va faire ça, et voilà, je compte sur les gens, et ici pour l'instant il n'y aura rien, mais bon, plus tard on fera quelque chose. Et voilà, donc ça c'était pour l'épisode 12, donc on va se laisser pour le prochain épisode 13 où on va dans l'End. On va dans l'End parce que on a décidé qu'on commencera à aller dans l'End, regardez, on a déjà fait le panneau, wow, vous avez vu, hein, ça nous rattrape. Hein. Donc on a déjà fait le panneau pour aller dans l'End, sauf, bon, on a que le Stronghold pour le moment. Donc bon voilà, donc ça c'est fait, et après on ira à pied je pense, mais bon on sera top. Voilà, donc on se retrouve pour le 13ème épisode pour l'Ender Dragon et pour plus d'explications sur les projets futurs dans l'End, parce que j'en ai. Allez, ciao tout le monde, c'était Super Léo. Et bien on se retrouve tout le monde, donc Et bien on se retrouve tout le monde, j'ai fini donc, merde.